Regardez les fleurs, achetons des fleurs, qu'y a-t-il, petite fille? Que faites-vous là? Bonjour, bonjour. Avez-vous vu passer une petite fille par ici? Elle porte une petite robe à motif, vous savez, avec des cheveux lisses, toute petite comme ça? Oui, je l'ai vue. D'accord, dites-moi où elle est allée. Oui, j'ai acheté une fleur, c'est pas cher, 50 réés. Quelle fleur chère est-ce, mademoiselle? 50 réés? Ah non, hein. Vous voulez savoir où est la petite fille ou pas? Bon, écoutez, j'ai 100 réés ici, mais je n'ai pas de monnaie. Ah, moi non plus, elle est déjà là. Allez, petite fille, sors de là. Madame, que Dieu vous le rende, d'accord? Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Expliquez-moi. Et revenez ici. Ah, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est un bon endroit. Je vais vendre mes fleurs ici même. Florisme! Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mademoiselle, vous ne croirez pas que je suis amoureuse? Non, non, madame, je ne veux pas de fleurs. Je voulais vous poser une question. Par hasard, n'auriez-vous pas vu passer une petite fille par ici? Elle porte une petite robe, elle a la peau claire, les cheveux lisses. Une petite fille? Oui, mademoiselle, c'est même une très jolie petite fille. Mais qu'est-ce que vous lui voulez, hein? Ah, si vous ne pouvez pas m'aider, tant pis, ça ne vous regarde pas, d'accord? Des fleurs, regardez les fleurs. Bonjour, Héloïsa, allons-nous acheter les bonbons que tu voulais? Non! Lâchez-moi! Mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît, aidez-moi. Cette femme veut me faire du mal. Héloïsa, viens ici, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Viens ici, viens! Non. Viens ici! Là-bas, un policier, allons-y! Ah, voici le policier! Il y a une femme qui court après cette petite fille. Ah bon? Comment ça? Quelle femme? Lâchez-la, lâchez-la, ne la touchez pas. Lâchez-la! Attendez, attendez, vous deux. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il m'expliquer? Que se passe-t-il ici? Je veux ma fille. Quelle fille? Vous essayez d'enlever la petite fille? Non, attendez, mademoiselle. Calme-toi, petite fille, je vais tout arranger. Je dois expliquer ce qui se passe ici. Calme-toi, ma chérie, laisse-moi expliquer. Monsieur l'agent, je ne sais pas ce qui se passe ici. Cette femme prétend simplement que je veux emmener ma fille. Non, arrêtez, vous poursuivez la petite fille. C'est ma fille, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Écoutez, vous deux, j'ai besoin de savoir qui a tort et qui a raison. Si ce désordre continue, je vais devoir vous emmener toutes les deux. Écoutez, je suis sa mère et je peux le prouver. D'accord, et vous? Quel est votre lien avec la petite fille? Écoutez, monsieur l'agent, je ne la connais pas. Mais elle m'a demandé de l'aide, alors je l'aide. Vous voyez? C'est elle qui ment. Madame, je suis désolé, mais vous êtes en état d'arrestation. Monsieur l'agent, c'est un malentendu. Attendez, demandez à la petite fille. Tiens, en parlant de ça, où est la petite fille? Au secours! Au secours! Ah, reviens vers moi. Lâchez-moi, lâchez-moi! Aïe, mon pied! Lâchez-moi! Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Mais je n'ai rien fait, lâchez-moi! Allons-y, on y va! Oh, ma chérie, tu ne quitteras plus jamais maman, d'accord? Pardon, maman, c'est arrivé si vite que cette femme s'est mise à me poursuivre. C'est vrai, il y a beaucoup de mauvaises personnes dehors. Ne t'éloigne plus jamais de maman. Aïe, mon pied! Mademoiselle, vous allez bien? Merci beaucoup de m'avoir aidée. Oh, je vais bien, je me suis juste fait mal au pied. Oh, mademoiselle, merci beaucoup. Et je m'excuse pour la confusion. Je voulais juste vous remercier d'avoir aidé ma fille. Tout va bien, mademoiselle. J'ai vu que vous vendiez des fleurs dans la rue. Vous n'avez pas d'emploi fixe? Non, pour le moment, je ne vis que de la vente de fleurs. Écoutez, j'ai une entreprise et j'ai actuellement un poste vacant. Ça vous intéresse? Allez-y, mademoiselle, acceptez. Vraiment? Oh, mademoiselle, merci beaucoup. Je peux vous faire un câlin? Bien sûr. Venez, je vais vous raccompagner chez vous, d'accord? Merci.